Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Valkyria Chronicles 2. Oui, enfin, plus d'action, toujours plus. Toujours plus. Et dur. To begin, I will now take attendance. Oui, mais elle est toujours hospitalisée. Nous ne pouvons toujours pas la rappeler. Oui, vous pouvez voir, pour voir si on peut améliorer nos soldats. Les ingénieurs. Voilà. Level up. Très bien. Et le... voyons voir ce qu'on peut faire d'autre. On peut aller dans la salle de classe. Que se passe-t-il dans la salle de classe? Ok, nous sommes prêts pour les prochains ordres, Juliana. Le leadership de l'escouade, oui, tu es la seule aux commandes, effectivement. Henceforth est le vice-commandant de la section, il sera le commandant en second. Christensen, Kessler, Aswell, je me remets à votre bon jugement. Laissez-nous le reste, madame. Évidemment. Je continue à commander dans les moments critiques et pour les plus grandes décisions. Mais nous devons nous préparer pour un contingent. Oui, où elle ne va pas commander. Oui, nous n'allons pas te laisser tomber, Juliana. Très bien. J'espère qu'ils ont raison. Les commandements sont ajournés et ils vont se retrouver dans le grill, dans la zone d'entraînement. J'espère que la nouvelle politique inclut que nous allons pouvoir courir. Évidemment. Bien. Alors, faisons plus de missions. Alors, attendez. Dans les groupes, si on prend le groupe 1, lead group, oui, squad draft, leader, ah bah voilà, c'est là qu'on le fait. Zeri, tu seras un leader, voilà. Car tu es un leader, Zeri. Eh bien, allons faire une mission supplémentaire pour le mois d'août. Capture la base ennemie, défendre la base ennemie, amis, capturer les camps ennemis, défaite les commandements ennemis. Eh bien, allons capturer la base ennemie. Voilà, parce que ça, on peut voler la victoire. Mais rappelons-nous, nous aimons voler les victoires. Car ils sont faibles. Très bien, les rebelles forces ont volé des machine guns. Les méchants. Ok, on doit chercher dans la zone 3. Très bien. On a Cozy à tuer. Très bien. Allons-y. Plaçons notre escouade. Nous allons placer notre char, évidemment, dans la zone 5 avec Nicole et Eric. Dans la zone 4, nous allons y déployer avant Zeri et un lancier de type Noël. Hein, car on ne sait jamais quelquefois qu'il y ait des méchants chars dans cette zone. Qui pourrait nous être fatal. Évidemment. Alors, essayons de ne pas mourir comme des cacas. Ce serait plutôt appréciable. Alors, let's do some damage, guys. Nous avons des artilleurs un peu partout, là on les voit, des gunners. On en voit 4. Voyons voir. Alors, oui, heavy gunner. Ah, ce n'est carrément des heavies gunner. Très bien. Très bien, donc un de commandement et un med tank B. Ah, je savais qu'il y avait un med tank ici. Un sniper, un heavy gunner et un autre sniper ici. Très bien. Donc nous sommes dans le
caca. Alors, Noël. Deux secondes. Quoi? Il reste un PV? Non! Eh bien, détruire, hein. Il restait un PV, quoi. Ok. Bon, on va se barrer. Ouh, il nous fait mal. Il fait très très mal, ce monsieur. Il est pas là pour rigoler. Il est vraiment pas là pour rire. Attends. Il est vraiment pas là pour rigoler, lui. Et nous non plus. Voilà, tu es mort. Très bien. Là-bas, il y en a un autre. C'est pas trop ce que je voulais que tu fasses, mon petit Zeri, mais c'est pas grave. Ok, par contre, si tu pouvais aller abattre ce petit con. Voilà, de balles dans le dos. Ok, maintenant tu vas rester là. Au moins, tu pourras assassiner lui s'il tente de bouger. Là, on a un autre sniper qui nous voit apparemment. Comment est-ce qu'il nous voit? Non, il ne nous voit pas. Très bien, ça c'est intéressant. Tu es trop loin. Très bien. Mais merde! Je l'ai vu en plus cette mine. Je voulais pas marcher dessus. Ah là 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 là. On est dans de beaux draps. Très bien. J'ai fait de la merde. J'assume. Toi t'avances, s'il te plaît. Ah non, il a le gros canon. Allez, un petit non. Mince. Donc là, on est vraiment dans de beaux draps. Parce que j'ai fait beaucoup de caca. Et ça, on n'aime pas trop quand on fait du caca, évidemment. Bah écoute, oui. Hein. Ok, il a loupé. Très bien. Bah, je suis obligé. Hein. Je suis clairement obligé d'abattre ce char. Si on a une soif de sang, ça pourrait être pas mal. Yes. Yes. Très bien. Je sais, j'aurais pu aller chercher Havan, mais bon, je peux pas trop là. Je peux pas trop malheureusement. Ok. En plus, je l'ai vue cette mine, hein. Je savais qu'elle était là. Hein. Et je voulais pas marcher dessus. C'est assez impressionnant. C'est peut-être la fatigue. Faut faire attention quand on est fatigué. Ok, bon, il vient de se planquer, plutôt une bonne nouvelle. Ok, donc c'est clairement une mission où ils ne vont jouer que Heavy Gunner apparemment. Très bien. Ok, bon, le sniper ça peut pas trop avancer et il tourne en rond, donc ça c'est très bien. Et là ils vont aller chercher Havan. Ah non, très bien. Ça c'est intéressant pour nous. Très intéressant pour nous. Ok. Oui, Havan est hors de combat, donc Zeri. Si tu pouvais aller le chercher, s'il te plaît. Medic, we've got a man down. Hurry. Ok. I don't lose. Oui. Vas-y. Yes. Merci Zeri. Tu es de temps en temps, tu es efficace. Très bien. Alors, tu vas essayer d'arriver dans son dos, si c'est possible.
Ok, tu es dans son dos et tu me le zigouilles, s'il te plaît. Yes, merci Zeri. Merci Zeri. Merci. Ok. Toi, tu vas aller par là, Zeri, après. Tu vas essayer d'aller tuer ce sniper et d'aller voir ce qui se passe par là. Noël, tu vas clairement repartir. Tu n'es plus utile ici. Alors, ici, on voit... Ah, bah, il est là, Kazooie. Très bien. Le tank ici n'est plus nécessaire. Vous, vous allez rester là. Vous allez juste protéger la zone. Et on va déployer notre tank ici. Parce qu'on voit que c'est beaucoup de soldats de base. Si tu arrives à le descendre, ça me ferait très très plaisir. Yes. Yes, yes, yes. Si ça c'est pas du bol, je ne sais pas ce que c'est. Mais la chance, ça se travaille les amis. Et oui. Bah écoute. Voilà. Écoute mon gars, moi je te tire dans la tête. Hein. J'ai un char, mon gars. J'ai un char sniper. Ok. Hop, s'il te plaît. Par contre tu vas te mettre comme ça. Pour pas que son char puisse nous tirer dans la ragnite. Qui serait un petit peu embêtant, vous en conviendrez. Ok. Oui, tu sens une grosse histoire, très bien. Voilà. Très bien. Ok. Il ne reste plus qu'un char à abattre et on a gagné. Donc ça va très bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ils n'ont plus que 4 points. Hein. Donc ça, ça va vite les embêter. Enfin 5, pour être précis. Ok, bah écoutez, pour le moment, ça se passe bien pour nous. Hein. Ils peuvent s'entasser, hein. Moi ça me dérange pas. Ok, bouge leur char. Vas-y, bouge ton char, moi ça me dérange pas. Très bien. Pas plus loin que cela. Très bien. Et il faut venir quelqu'un d'ici. Très bien. Et nous avons tué l'ennemi spécial. Hein. Rappelons-le. Ok. Bien écoute, continue de tourner en rond, mon ami. Moi, ça me convient. Ok, on peut déployer un véhicule, une personne de plus. Compliqué là de le détruire. Hein. Ok. Tu peux pas mieux. Non. Boum. Et bien boum. Et ça. C'est bon. Ok. On a vu deux ennemis en haut. On va faire venir un petit Helmut. Oui. Car Helmut, c'est le soldat. Le soldat. Que toutes les armées voudraient. Mais que seuls nous, nous avons. Ok, mon petit Helmut. Tu es prêt? Ok. Ah, je ne peux pas les cibler. Non, l'ordinateur ne veut pas. Il ne m'accorde pas ses tirs. Très bien. Eh bien, avance un peu plus. Voilà, là, il va forcément me les accorder. Et là-bas, on voit un ennemi. Hein. Tue d'abord celui-ci, s'il te plaît. Punaise. Pas possible, ça. S'il te plaît.
Punaise! Pas possible ça. Merci. Je crois qu'elle va plus servir à rien aussi. Roger. Malheureusement. Enemy sighted. Ça va être compliqué là. Voilà. Tu vas faire le tour. Tu lui balancer une grenade dans le dos. À cet artilleur. À moins que on puisse récupérer une grenade et une balle de snipe. Ce qui m'étonnerait. Hein. Ok. Va te planquer, moi ça me dérange pas. Si ton sniper continue à faire du caca, moi ça, voilà, ça me va très bien. Très bien. Moi ça me va. Ça, c'est un bon tour ça pour le pour nous. Un bon tour de l'ennemi. Est-ce que t'as récupéré au moins une balle? Oui, t'as au moins récupéré une balle. Oui, tu as une seule balle. Ok, il peut pas être chanceux tous les tours. Et nous avons gagné, car Helmut va aller chercher la base. De quoi il a pas marché dessus? C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il a pas marché dessus. Il a pas marché dessus. Pas grave. C'est faux. Il a pas marché dessus. Mais bon, l'ordinateur a considéré que j'avais marché dessus. Certainement que notre ami Helmut a des grands pieds. Je suis en désaccord avec l'ordinateur, évidemment. Vous l'aurez compris. Ennemi spotted. A crisis is a turning point. Right, bro? Bah alors, je suis pas dessus là, tu te fous de moi ou quoi? Ok, let's go! You're tougher than this helmet, come on! Fire! Fire! Et voilà, on a gagné. Tiens, fuck it le jeu. Fuck it. Voilà. Ça, ça t'apprendra à tricher. Bon, on n'aura pas tous les points, évidemment, car nous avons perdu des soldats, voilà, 750 points en moins, mais nous en avons quand même gagné 83 000. Donc ça ira très bien. Eh bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Nous avons un certificat, des attaques, très bien, des diplômes pour Havan et Noël. Très bien. Eh bien, ça nous fait une belle jambe. Et sur ce, nous allons arrêter l'épisode là. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.